Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité de la semaine et surtout on va la commenter, on va donner notre opinion, expliquer comment on perçoit et on comprend ces enjeux qui sont autant local, national qu'international. Bien heureux de démarrer cette nouvelle saison avec vous et pour m'accompagner cette semaine, je reçois nul autre que Joannie Riendeau. Bonjour Joannie. Bonjour Pierre, je suis tellement contente de te revoir. Ça fait du bien, on ne s'est pas vu depuis le 12 mars. Ah ben oui, le vendredi 13, on s'est fait annoncer qu'on devait se confiner et c'est toujours le fun de revoir l'équipe de la télécommunautaire. Ben oui, oui, continuez notre beau travail qu'on aime tant faire. On espère que vous appréciez autant que nous ce qu'on fait ici. L'automne 2020, une grosse année, on aura sûrement beaucoup de sujets. Mais bien sûr, en ce moment, ce qui retient l'attention, c'est que la chasse va commencer cette semaine. C'est incroyable à quel point, dans la MRC Marie-Chapdelaine puis à Domaine du Roi, pour avoir travaillé dans le domaine communautaire, on ne doit pas organiser de grosses rencontres au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre puis au mois de novembre. Parce qu'au mois d'août, c'est les bleuets. Au mois de septembre, c'est la rentrée. Au mois d'octobre, c'est la chasse. Donc, là, on va voir les veuves de chasse. Bien, ce qui est plate, c'est que les veuves de chasse ne pourront pas faire sortir dans les bars. Les gars et les filles, parce qu'il y a beaucoup de plus en plus de chasseuses. Puis en plus, la chasse, étant donné le COVID, est devenue une activité encore plus intéressante, parce que c'est à l'extérieur, c'est une nouvelle denrée et autres. Bien, ça va être quand même une bonne saison pour les vendeurs d'armes à feu et de munitions, mais je ne sais pas si ça va être une bonne saison pour nos animaux en forêt. Non, puis c'est fascinant, en fait, aussi, dans un milieu comme chez nous, c'est que tout le monde va à la chasse. Des fois, moi, pour faire des entrevues, il y a des gens, encore la semaine dernière, qui me disaient « Oh, les deux prochaines semaines, je ne peux pas te donner d'entrevue parce qu'ils sont à la chasse. » C'est des gens qui ont quand même des mandats importants, là. Mais tu me disais en plus qu'on allait être un des rares endroits où on n'allait pas avoir de pénurie de balles. Comment ça? Bien, regardons un peu le bon côté des choses. Présentement, dans les États-Unis, depuis le début du confinement COVID-19, bien, il y a eu une énorme recrudescence de l'achat d'armes à feu et de munitions chez nos amis les Américains. Puis on a très peu de constructeurs de balles au Canada. Alors, il va avoir une pénurie. Il va avoir une pénurie de munitions pour les chasseurs. Mais on a de la chance parce qu'une compagnie régionale, Blackburn et Fils, ont déjà prévu le coup. On va être une des rares régions où on ne vivra pas la pénurie de balles, okay, de munitions. Donc, il faut quand même souligner la bonne prévoyance de nos entrepreneurs d'ici qui va permettre à tout le monde de pouvoir profiter de ce beau loisir. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec le fait que c'est un beau loisir, mais c'est très culturel à notre région. Puis moi, j'ai hâte parce que cette année, mon conjoint veut m'initier à la petite chasse et veut m'initier à la grande chasse. Donc, je vais essayer ça. J'espère que je n'aurai pas le syndrome de Bambi. Bon, bien, on va attendre. J'attends ton retour en onde pour te parler de ton initiation à la petite, oui, chasse. Bon, on va rentrer dans nos sujets. Premièrement, dans le local. Donc, il y a un projet de la MRC pour réduire les besoins en ressources humaines dans les municipalités. C'est quoi au juste ce projet-là? C'est que la MRC Marie-Chapdelaine est présentement en période d'enquête auprès des municipalités pour voir quels sont leurs réels besoins en ressources humaines étant donné la rareté de main-d'œuvre et voir comment ils pourraient partager certaines expertises. Présentement, déjà à la MRC, il y a les services juridiques et le service d'urbanisme qui est centralisé à la MRC. Donc, qui peuvent donner des services à l'ensemble des municipalités de la MRC? Qui donnent des services principalement aux administrations des municipalités, par exemple, les changements au niveau des territoires, tu sais, quand on dit les terrains blancs, les territoires résidentiels, donc tout ce qui est marquage de terrain, donc on s'est centralisé principalement à la MRC. C'est pour ça que c'est sur le site Internet de la MRC qu'on a les cadastres, tout ça. Puis, pour ce qui est de l'aide juridique, bien, c'est pour aider les directions administratives, les directions générales des municipalités pour confirmer les procès-verbaux, pour le soutien administratif s'il y a des questions au niveau juridique. Si on a besoin d'un avocat, on a-t-il le droit de faire ça ou pas, les ententes et tout, ouais, ça. Donc, c'est normal, c'est pas dans les petites municipalités. Je vois mal, par exemple, Saint-Edmond-des-Plaines engager un avocat. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un avocat à l'année? Un peu de chance. Ils ont peu de chance, puis bien plus souvent, c'est plus un technicien juridique qui va les aider pour la rédaction de règlements, de lois municipales ou autres. Ça, c'est correct. Mais le fait de regarder les ressources humaines, toutes les villes, par exemple, pour la gestion de l'eau potable,
On doit avoir des techniciens pour ça. C'est quand même, c'est pas une formation qui se donne facilement. Puis faut, pour avoir de l'eau de qualité, bien, il faut avoir aussi des professionnels de qualité avec des équipements de qualité. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui sortent des écoles puis qui pourraient être une super de belle, tu sais, des super de belles opportunités d'employabilité par des professionnels qui sont là-dedans, des jeunes professionnels. Donc, il faut attirer la main-d'œuvre, mais en même temps, il ne faut pas non plus bloquer ça. Puis il faut quand même laisser de l'autonomie à chacune des municipalités dans leur gestion eux-mêmes de leurs eaux potables et de leurs eaux usées. Donc, je me pose franchement la question, ça va être jusqu'à quel point? Parce que j'ai l'impression en même temps qu'on veut comme centraliser les pouvoirs. Oui, il y a un objectif d'aider, ça va peut-être coûter moins cher, mais à quel point on va centraliser? À quel point on va on ne veut pas que les municipalités deviennent en tutelle face à la MRC, là. On veut pas, mais est-ce que c'est ça qui risque d'arriver? Parce que, tu sais, il y a des directions générales. On a de la chance dans la MRC Maria-Chapdelaine, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans les directions générales. Puis c'est quand même des très beaux postes, les gens restent sur place. Mais des adjointes administratives, il y a plusieurs postes que les gens, c'est pas parce que les postes sont pas intéressants, c'est que les conditions de travail ne sont pas intéressantes. Donc, pourquoi on valorise la centralisation, diminuer le nombre de postes, au lieu d'augmenter la qualité de vie des employés municipaux? Est-ce qu'on ne pourra pas faire les deux? J'espère que ça va être pris en considération dans l'enquête, mais il faut savoir que c'est… Parce que si, par exemple, on crée un poste qui va peut-être avoir un rayonnement plus large parce qu'il va toucher plus de municipalités puis qu'on donne les bonnes conditions, on règle deux problèmes à la fois, non? Attention! J'ai déjà travaillé pour trois municipalités en même temps, en loisirs ici, et sans les nommer, il y a eu des guéguerres. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même des certaines qui ont l'esprit de clocher. Donc, qui va superviser la ressource? MRC? À ce moment-là, la MRC va décider ce qui se passe dans les municipalités? Non, je pense que ça ne se peut pas. Ou est-ce que c'est une municipalité dans un regroupement? Bien, moi, dans mon cas, ils ne s'étaient pas parlé entre eux. Puis quand il y avait des problèmes, bien, je ne les savais pas. Je l'ai appris la journée de mon renvoi. Donc, c'est quelque chose. C'est bien intéressant de voir comment on peut améliorer la gestion des ressources humaines parce que dans les petites municipalités, on n'a pas quelqu'un qui est en ressources humaines. On n'a pas. Mais je souhaite que ça ne soit pas un désir de diminuer le nombre de postes. Je souhaite que ça va être plutôt donner les compétences aux gens pour une meilleure gestion des ressources humaines. Oui. C'est toi que tu as peur qu'il y ait des sous-entendus, voulus ou pas, mais qu'il y ait des conséquences à long terme. Regarde, ta municipalité, tant qu'à perdre la main-d'œuvre, bien, regarde, on va prendre telle responsabilité alors que ça serait vraiment à la municipalité de le prendre. Tu sais, on perd du pouvoir démocratique puis on perd du pouvoir local. Quand on veut être indépendant sur nos gestions, déjà que les inspecteurs en bâtiment viennent principalement de la MRC. T'sais, quels sont déjà les pouvoirs qui sont dans les MRC présentement? Bien, dans les MRC et dans les municipalités. Regardons, comparons avec d'autres MRC. La MRC a quand même beaucoup de pouvoirs versus… J'ai pas entendu une municipalité se plaindre de l'invasion de la MRC dans leurs organisations. Mais il ne faudrait pas que ça arrive, parce que présentement, pour la majorité… Est-ce que ça se passe bien dans la MRC? Pour l'instant. Mais les ressources humaines internes, quand quelqu'un de l'externe vient s'en occuper, c'est plus que délicat. Ça se demande… C'est une inquiétude. Pour l'instant, on n'a pas vu les résultats. On ne sait pas comment ça se passe au niveau politique interne, mais ça reste quand même… Pour moi, pour avoir été dans des municipalités, pas juste une, pour en avoir travaillé dans plusieurs, avoir travaillé en partenariat avec plusieurs municipalités, bien, ça m'inquiète. Ça m'inquiète que ce soit la MRC qui prenne ce processus-là. Parce que, par exemple, dans le domaine du Roi, qui est quand même nos voisins, Saint-Félicien et Robertval se sont parlé entre eux sans passer pour la MRC pour dire est-ce qu'on ne va pas travailler, étant donné qu'on est deux grosses villes, travailler ensemble pour, par exemple, unifier nos services pompiers? Qui est quand même des services professionnels, mais, et puis, tu sais, entre les deux, il y a Saint-Prime, il y a d'autres municipalités, mais, tu sais, au lieu que la MRC prenne un pouvoir sur quelque chose qui leur appartient, bien, ils se sont parlé entre eux. Est-ce que ça ne serait pas une possibilité? C'est toute une question. Il y a des municipalités qui vont nous dire, bien oui, mais moi, je préfère mieux passer par MRC plutôt que d'avoir en compétition avec une autre ville. Ouais, mais c'est une inquiétude. Oui, ce que je comprends, en fait, c'est que
Normalement, on devrait faire du cas par cas, mais quand on centralise à quelque part un pouvoir, bien souvent, on va créer des règles qui font qu'on ne peut plus faire de cas par cas puis qu'on applique la même procédure partout. Bien, c'est oui, il y a une chose de procédure, mais en plus, c'est vraiment plus l'aspect pouvoir démocratique des citoyens sur ces services-là. Oui. Je comprends, c'est intéressant, puis ça nous amène à parler de notre deuxième sujet qui a un lien, qui est le retour de la rareté de la main-d'œuvre. Donc, on est en pénurie de main-d'œuvre, on en a parlé, on le vit encore. Avec le COVID, est-ce que ça a aidé ou pas? Parce qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, il y a des commerces qui ont fermé. Est-ce que tu vois une différence? Bien, la Chambre de commerce a sorti un article très dernièrement à propos de ça. Oui, il y a une rareté de main-d'œuvre, surtout dans le domaine du service à la clientèle. On met souvent la faute sur la PCU, la PCUE, donc la prestation canadienne d'urgence, pour dire ben les gens ne veulent pas venir travailler. C'est parce que si le revenu de la PCU, après impôt, est plus avantageux pour toi que d'aller travailler, pose-toi des questions sur les conditions que tu offres de travail. Clairement. Parce que... il n'y a pas personne qui est faite pour rester tout seul chez eux à ne pas voir de monde. Puis quand je dis pas voir de monde, tu n'es pas obligé pour avoir travaillé à la maison, et je sais qu'un membre de ta famille aussi travaille de la maison, quand on a fini notre journée, et tabarnouche qu'on a hâte de parler à quelqu'un. Ouais, puis quand on se met à calculer, là, PCU, c'est quoi? C'est 2000 par mois? Tu enlèves les impôts, il en reste quoi? 2000 par deux semaines. Par deux semaines. Okay. Puis, c'est parce que, dépendamment de ton revenu de l'année au complet, ben moi, par exemple, ma PCU, je sais que je vais avoir près de 1 400 $ à payer d'impôts dessus. Ouais. Mais j'ai pas eu tant que ça. Donc, c'est quelque chose qui est à calculer. Donc, il y a deux aspects. Il faut renseigner les gens sur la PCU que c'est pas de l'argent 100% gratuit. Là, tu vas le rembourser sur plusieurs années. Mais d'un autre côté aussi, le fait de, par exemple, tu as de la PCU, il faut que tu le payes en impôts ou avoir un travail que tu vas payer une partie de tes impôts, tu vas avoir du monde, tu vas avoir des conditions. Alors qu'on avait déjà une rareté de main-d'œuvre, la rareté est restée à peu près la même, puis c'était resté dans les mêmes domaines d'emploi. Donc, c'est pas tant la PCU qui bloque. Non. Offrez des meilleures conditions de travail, offrez des meilleures gestion des ressources humaines. Puis, tu sais, conditions de travail, là, Il y a une étude, il faudrait que je retrouve les chiffres exactement, mais on voit que dans tous les critères d'un choix d'un emploi, le salaire est le cinquième critère pour déterminer si tu choisis un emploi ou un autre. La flexibilité d'horaire, l'équipe de travail, les opportunités d'avancement, la possibilité de formation continue. C'est quelque chose de bien important. Quelqu'un qui dit, par exemple, moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé un petit peu à la SAQ pendant le confinement. J'avais besoin de voir du monde. La SAQ avait besoin de monde. J'ai travaillé dans le domaine de la service à la clientèle. Tout le monde était heureux à ce moment-là, tu sais. Ben, à la SAQ, moi, j'étais sur appel, mais j'avais une bonne équipe, des formations toujours en continu sur c'est quoi les types de vins. La gestion de c'est comment gérer COVID aussi. Il y a de la formation qui permet qu'on avait tout chacun notre expertise. Moi, c'était les spiritueux. Donc, on te reconnaît. Mais ça fait que même si le salaire n'était pas génial, oui, c'est un bon salaire à SEQ, je donne un bon exemple, mais par exemple, ça pourrait être au Canadian Tire de dire... dans une quincaillerie, d'avoir une formation plus avancée, par exemple en plomberie, pour mieux accompagner les gens, avoir l'opportunité d'avoir un rabais sur l'achat qui est un peu plus intéressant parce que tu veux faire des rénos chez toi. Tu sais, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être possibles, qui ne sont pas si chères que ça. Donc, tu sais, la PCU, oui, ça l'a freiné, mais profitez-en pour vous poser des questions sur la gestion des ressources humaines parce qu'on a un super de beau milieu, on a plein de ressources au niveau local. Pourquoi on a de la misère à attirer de la main-d'œuvre? Je pense que ça va être bénéfique pour les employés, en fait, cette crise-là, parce que justement, la qualité d'emploi, si on veut faire de la rétention, bien, il va falloir que les conditions de travail s'améliorent. Les entreprises qui ne survivront pas à la crise, c'est les entreprises qui vont refuser d'évoluer en matière de gestion des ressources humaines. Parce que, je donne par exemple mon conjoint, son employeur. Il est soudeur. On a une fille de 2 ans. Bien, son employeur dit « Overtime,
Tant que tu veux, on est dans le rush. Je pensais que ça tombe mort en septembre. Ben non, ils ont besoin de monde, ça n'a juste pas de bon sens. Ben, mon conjoint, c'est un petit employeur, pas une aussi grosse organisation que PFR, mais il permet de dire, OK, tu peux pas, tu finis à 4 heures à cause de la garderie alors que tu es supposé finir à 5 heures, ben reviens travailler samedi. Ou tu peux compenser, il va toujours garder le même salaire, puis une relation de confiance. Il donne l'autorisation, puis même des accès faciles à dire dans la shop de soudure, tu veux faire tes projets personnels, fais juste payer les matériaux. Hors de tes heures. Donc ça, c'est des avantages bien intéressants pour un employé parce que, tu sais, il aurait pu travailler pour des grosses entreprises qui font des runs, qui vont se promener. Il aurait eu un excellent salaire, mais il n'aurait jamais été à la maison. Il Ouais, n'aurait c'est ça. jamais eu le temps de faire ses projets à lui. Ce n'est pas le salaire qui a fait que choisir cet employeur-là. C'est les C'est les conditions. conditions, c'est la flexibilité, c'est le fait que cet employeur-là, alors que mon conjoint a plus de 15 ans d'expérience en soudure de l'aluminium, ben, cet employeur-là reconnaît son expérience, lui permet de faire de la formation, Puis il ils veut le font de l'échange. garder. Puis, lui, il se sent apprécié, puis il sent que son employeur, il tient à lui aussi, là. Ben oui, puis tu sais, il est soudeur, il n'est pas ingénieur, puis son patron est ingénieur, puis ils se parlent les deux, puis ils apprennent mutuellement. Tu sais, on ne parle pas de formation payée par le service d'aide aux entreprises, on parle d'échange de compétences, d'avoir le sentiment d'appartenance puis d'importance dans l'organisation, ne pas être qu'un numéro. Ouais, Et ouais. je sais que tous les employés de cette entreprise-là se sentent comme ça. Donc, c'est ce sentiment d'appartenance-là qui va beaucoup plus être attractif puis qui va garder les employés dans une job, dans une équipe, qu'un salaire. Parce que si tu as un mauvais caractère ou une mauvaise personne dans un poste, tu vas perdre combien de bons employés parce que, sous principe de pénurie de main-d'œuvre, tu as gardé un mauvais élément. Ouais. C'est intéressant tout ça. C'est Oui. une belle réflexion, belle réflexion. Ça nous amène à Normandin avec la fermeture d'une institution, le Ah. capitaine Bob de Normandin qui ferme ses portes. Oui, il reste C'est juste un capitaine Bob. C'est ouais. celui de Saint-Félicien, celui de Normandin, qui avait plus de 25 ans d'existence, a dû fermer parce que la propriétaire voulait prendre sa retraite. Il n'y a pas eu personne pour le racheter. C'est OK. pas parce que ça allait pas bien. Non, C'est non, parce non. qu'il n'y a pas eu de rachat. Donc là, Bref. on est plus que dans la rareté de main-d'œuvre. On est dans la reprise d'entreprises qui, quand même, allaient bien. Même pendant la pandémie, ça allait quand même assez bien parce qu'ils ont vendu leur dernière poutine à la fin août. Oui. Donc, tu sais, on va perdre des institutions locales parce que. Puis c'est. On s'entend, un propriétaire d'entreprise, c'est lui qui choisit un peu ses conditions, là. Donc, c'est quand même des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on offre comme milieu? Puis. Ouais, mais c'est sûr que déjà dans la restauration, les marges de profit sont très minces. Avec la pandémie, ça semble être un secteur qui va être amplement touché là, déjà, mais à moyen terme, on parle d'un 30 à 40 % de restaurateurs qui risquent de faire faillite. Mais. C'est pas attractif de penser que tu vas investir autant dans quelque chose quand on est dans un contexte qui est difficile pour les On ne parle pas restaurateurs, d'une non? entreprise qui ferme parce qu'elle a une mauvaise gestion. On ne parle pas d'une entreprise qui ferme parce qu'elle a des mauvaises ventes ou qu'il y aurait une restructuration à faire. On parle parce qu'elle n'a juste pas de relève. T'sais, si Mais on ça voit, par pourrait-tu exemple. expliquer pourquoi les gens ne veulent pas embarquer dans prendre la relève de ce genre d'institution? J'ai plus l'impression que c'est une méconnaissance parce qu'il n'y a personne qui a vu que le capitaine Bob avait un panneau à vendre. C'est surtout du bouche à oreille parce que pour avoir été moi-même entrepreneur, ton bébé, tu ne veux pas le donner à n'importe qui. Ouais. Tu ne veux pas le vendre à n'importe qui. Tu veux quelqu'un qui va être professionnel, qui va. Donc, c'est trouver la bonne personne pour faire continuer le projet. Donc, encore une fois, c'est une question d'attraction de professionnels. Parce qu'on parle de Capitaine Bob, là, c'est pas comme à Saint-Méthode, là. Ce n'est pas des chefs de renommée que tu as besoin. Tu as besoin de quelqu'un qui est passionné, qui est en administration alimentaire. Puis qui va perpétuer puis réinventer un petit peu l'image, mais pas tant que ça. C'est une institution. Les gens de Ouais. Normandin. Ils y vont, peu importe qui est le propriétaire au bout du compte, tant que la recette de la sauce Bob reste la même. Puis l'ambiance Puis, aussi, que le ouais. service soit bon. Tu sais, par exemple, il y a un Tim Hortons qui a rouvert. Tu sais, Tim Hortons, quand même, dans des petites municipalités comme Normandin, peut être assez fatal. Non, c'est pas à cause de ça. C'est pas parce qu'ils ont diminué les ventes. Donc, tu sais, c'est la rareté de main-d'œuvre, oui, mais c'est une rareté aussi du reprenariat. Parce qu'on a beaucoup de jeunes entreprises qui sont parties pendant la période COVID, qui ont démarré. Mais c'est dur de faire le reprenariat.
Mais il y a quand même des belles histoires qui se passent, mais qui n'ont pas été publicisées, de reprenariat d'entreprise, qui ont été rachetées par des jeunes entrepreneurs, dont j'en connais un qui est en processus, je ne le nommerai pas, mais ils ont trouvé quelqu'un de 18 ans, qui est une grosse entreprise. C'est une grosse entreprise que de l'extérieur, on ne le sait pas, mais quand on est à l'intérieur, qu'on travaille avec eux, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on voit. Puis l'entente qu'ils ont faite, c'est un reprenariat sur 7 ans. OK. Donc, où la personne, elle achète des parts, puis elle apprend comment l'ancien propriétaire travaille. Donc, sur 7 ans, ça donne le temps aussi d'ajuster, de connaître la machine et autres. Puis, à le jeune homme de 18 ans, bien, il va aussi aller chercher les formations en même temps. Oui, puis à 25 ans, quand ça va être à lui, il va avoir 7 ans d'expérience en gestion d'un commerce, mais il va avoir été accompagné par une espèce de parrain qui est l'ancien propriétaire, qui a transmis son savoir, son expertise. Fait que c'est vraiment une belle manière de fonctionner. Puis le propriétaire va être en confiance aussi. Le plus dur, ça va être quand quand la majorité va switcher. Mm-hmm. Mais la majorité switch au minimum après 3 ans et demi. Donc, c'est 3 ans et demi où on apprend à se connaître, où on apprend à voir comment ça se passe, puis qu'on travaille sur la confiance. C'est quand l'ancien propriétaire perd le contrôle, le droit de veto, que c'est plus délicat. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais je connais le propriétaire personnellement. Puis, je commence à connaître le jeune homme en question et je pense que ça va bien se passer. C'est deux caractères forts, mais deux caractères qui se respectent. Bon, super. Ça va être bien intéressant. Comité des spectacles, donc changement dans la programmation au comité des spectacles, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste la programmation, c'est leur structure aussi. Par exemple, étant donné qu'on n'a pas le droit de faire des spectacles de plus de 250 personnes, mais il faut que les gens soient à 1,5 mètre de distance une fois assis, ben on se retrouve par exemple avec le foyer qui va pouvoir accueillir 75 personnes maximum. Puis il y a beaucoup d'artistes qui ont arrêté leur tournée pour des raisons. Donc, puis les gens aussi ont diminué. Donc, on a vu, par exemple, que leur programmation qui était prévue jusqu'au mois d'octobre, il y en a quelques-unes qui ont été annulées, mais ça continue. Donc, il faut surtout prévoir des changements. Comme là, on avait un spectacle la semaine passée. Là, on a un spectacle de théâtre pour les Journées de la culture qui vont arriver au cours de cette semaine, lors de la diffusion. Puis on a le spectacle de Simon Leblanc au cours du mois d'octobre qui est déjà complet. Donc, on n'aura pas une programmation aussi touffue, mais qui va sortir au fur et à mesure, qui va quand même permettre aux gens de profiter du domaine. Ce qui me fait un lien un peu avec autre chose qui est arrivé au régional, puis j'espère qu'on va le voir ici, c'est le 18 clos et plus, qui est, ils ont renouvelé le théâtre en faisant 10 théâtres à 8 clos, donc un comédien seul qui fait une mini-pièce de théâtre à lui seul sur scène. Donc, on va voir le domaine de la culture, on va voir le domaine théâtral, les arts de la scène se transformer. Et selon moi, c'est la preuve qu'il y a une adaptation qui est possible, puis que le milieu des arts est tellement créatif qu'on va trouver des solutions. Oui, mais moi, ça me faisait rire quand on disait au milieu des arts, ben, vous allez devoir vous réinventer. C'est ce qu'ils font tout le temps, se réinventer. Avec des budgets très fins. Puis après ça, écoute, il faut qu'ils jouent, parce que quand on est en conception, en théâtre, mais je veux dire, t'es pas payé en conception, là, t'es payé une fois que t'es capable de faire un spectacle, là, il faut pouvoir le faire. Je veux dire, c'est bien beau se réinventer, mais il faut avoir accès à des salles de spectacle puis du public. Il faut savoir qu'ils sont payés, par exemple, les comédiens sont payés pendant la conception à un tarif moindre, mais ils sont payés pareil. Il faut avoir le budget, mais ça arrive pas tout le temps. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent. C'est ceux qui sont dans l'UDA. C'est sûr que sont dans l'UDA, tu es supposé être payé. Ouais. Donc, c'est pas. C'est parce qu'on doit. C'est quand même du travail. Ben oui. Donc, à tout travail mérite salaire. Donc, mais ils ont quand même des bonnes conditions de travail, de dire on peut travailler à la maison, on peut travailler d'une autre façon. Oui, mais par exemple, un auteur qui va travailler dans le domaine artistique, lui aussi travaille à la maison, mais quand il écrit, il n'y a pas une scène qui rentre. Non, il va être payé selon le nombre de fois que son scénario va être vendu. Oui, c'est ça. Fait que c'est déjà complexe. J'espère, c'est certain qu'ils vont se réinventer, ils n'ont pas le choix. Puis c'est des gens tellement passionnés qu'ils le font avec plaisir. Mais si on demandait la même chose à des entrepreneurs, je ne suis pas certain qu'on aurait la même réponse. Hey, le nombre de choses, le nombre de fois qu'on se dit « Ah, regarde, c'est pas une priorité. » Est-ce que tu aurais survécu, toi, mentalement, pendant le confinement, sans tes livres, sans les films,
sans les émissions podcast, sans la télé. C'est tout du domaine culturel. Là. C'est des milliards de retombées économiques, là, le domaine de la culture. C'est pas tout le monde qui était resté assis à écouter Netflix vendu aux américains, loin de là. On a la chance, on a Tout.tv, on a Nouveau, on a plusieurs plateformes avec Crave aussi qui est rattaché à Vidéotron qui permet d'avoir des émissions québécoises. Bien, c'est tout ce milieu-là parce qu'on dit « Ah, c'est le théâtre! » Mais combien de tournages ont été arrêtés pendant, tu sais, ben, le tournage de Maria Chapdelaine, qui était vraiment très attendu avec des comédiens qu'on connaît, avec des comédiens qu'on connaît localement, ben, on avait-tu hâte que le tournage recommence puis d'être fier de présenter ça? Mais sur un plateau de tournage, pas juste les comédiens, là. Tu as le réalisateur, tu as le scénariste, tu as les caméramans, tu as les techniciens. Il y a beaucoup de monde dans un petit... Le son, écoute, le monteur, il y en a du monde qui travaille sur un film. Oui, puis c'est pas du monde qui peuvent se tenir à 2 mètres de distance. Surtout pas dans un studio ou dans une petite maison pour un tournage. Hey, c'est toute qu'une réorganisation, une logistique de tournage là, qu'on doit refaire à ce moment-là. Là. C'est bon, c'est bon. On va parler d'un de tes sujets préférés, l'immigration. Il y a une table de concertation régionale qui va se faire en matière d'immigration, si je comprends bien. Enfin. C'était quand même quelque chose qui avait été discuté derrière les rideaux depuis quelque temps, mais avec le nouveau député Alexis Brunel-Duceppe, qui ont eu une rencontre, les différents directeurs d'organismes de soutien à l'immigration, pour parler des problèmes qu'il y a avec Immigration Canada, puis comment on pourrait s'aider au niveau de l'immigration. Parce que, par exemple, Porte ouverte sur le lac, qui s'occupe du lac Saint-Jean, se faisait appeler pour des gens qui veulent s'installer à Saguenay ou au fjord du Saguenay. Parce qu'il y avait soit une méconnaissance, soit les services n'étaient pas adaptés, soit il y avait tellement de situations. Mais en plus aussi, avec la COVID, il y a eu énormément de discrimination face aux travailleurs temporaires. Ouais. Parce qu'on pensait, il y a des gens qui accusaient à tort que c'était les travailleurs temporaires qui apportaient le COVID dans la région. Je vous invite à vous renseigner sur les obligations que un agriculteur doit faire envers ses employés en période COVID. Et même normalement. Et normalement, avant d'envoyer la discrimination, là, il y a plein de choses. Puis aussi l'accessibilité d'Immigration Canada en période COVID. Là. La seule façon que j'ai été capable d'avoir la ligne à Immigration Canada pour aider des personnes qui arrivent, c'est que le bureau ouvre à 9 h. Je prenais la ligne à 8 h 58. Parce que sinon, si j'appelais à 9 h 01, j'attendais 5 h avant d'avoir la ligne. Puis on a de la chance aussi, on a un député que nous, quand on a eu des problèmes plus particuliers, bien, on appelait le député puis il nous redonnait des nouvelles. C'est pas toutes les régions qui ont ça. Donc, la table de concertation en immigration va vraiment pouvoir aider à soutenir les immigrants, les personnes avec un statut immigrant, parce que c'est pas juste des immigrants, c'est des personnes qui ont un statut immigrant. Des fois, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont là. Bien, c'est pour les aider à s'établir. À s'intégrer, puis avoir aussi la possibilité de se promener de MRC en MRC. Parce que, par exemple, le candidat à la chefferie du Parti québécois avait proposé de... parce qu'au Québec, on a quelque chose de particulier. Tu parles de quel candidat, là, puisqu'il y en a? Monsieur Sylvain Gaudreau. OK, parfait. Tu ne l'as pas nommé. Oui. Bien, il y a... au Québec, en matière d'immigration, il y a une particularité. D'habitude, lorsque tu es au reste du Canada, c'est Immigration Canada. Point. Mais ici, on a le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion sociale qui envoie un deuxième permis à une personne qui est immigrante. Donc, ça coûte d'un fois 4 000, 5 000 $ de plus pour venir immigrer au Québec. Comment en plus d'avoir. Ça simple? Ah, que. Parle-moi-en pas, j'ai pas le droit d'en parler de ça. Je suis pas avocate en immigration, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça nous fait bouillir la tête quand on commence à vouloir expliquer ça à quelqu'un qui veut venir dans notre région. Puis Sylvain Gaudreau avait proposé cette idée-là, puis j'avais vraiment beaucoup apprécié, qui était pour les travailleurs temporaires en période COVID. Des fois, il y a des saisons qui sont finies pour un, mais que, par exemple, un travailleur agricole dans un champ qui dit « ben moi, je veux continuer à travailler au Québec », puis il y a une fromagerie ou ça les empêchant, ou une entreprise qui dit « moi, j'ai besoin de monde, je ne suis pas capable de les faire venir, est-ce qu'on peut transférer? » Avant la COVID, zéro puis une barre. La personne devait repartir, il faisait venir d'autres personnes. Donc là, grâce à cette table de concertation-là, grâce au travail qui a été fait derrière les rideaux, en arrière-plan, bien, une personne qui peut changer d'employeur, même si elle a un statut temporaire, un travailleur saisonnier, en disant « OK, bien, mon employeur en a plus de besoin, bien,
Puis un autre employeur m'a proposé d'avoir un poste. Puis avant, ça pouvait prendre 6 mois avant d'avoir une réponse. Maintenant, ça peut prendre 10 jours. Oh. Ça fait toute une différence sur la qualité de vie. La personne a déjà fait son 14 jours de quarantaine. Mm-hmm. La personne est déjà, souvent, elle maîtrise un peu plus la langue. Elle est déjà autorisée à travailler dans l'agroalimentaire, parce que c'est souvent plus dans l'agroalimentaire. C'est quand même la table de concertation. Je pense qu'à long terme, pour la rareté de main-d'œuvre, pour l'intégration sociale, pour la francisation, parce que ça, c'est un autre gros défi qu'on a ici. On a beaucoup de gens qui aident à l'alphabétisation, mais la francisation, c'est de passer d'une langue à une autre. C'est pas la même chose que d'apprendre à lire ou à écrire. Ouais. On parle, c'est tout qu'un autre défi. Tu sais, par exemple, trouver un cours de francisation dans la MRC Maria-Chapdelaine, plus de chances à Domaine-du-Roi ou à Lac-Saint-Jean-Est. Okay. Donc, parce qu'il n'y a pas de temps. On pourrait partager ces ressources-là avec une table de concertation. À partager les ressources, partager les bonnes solutions aussi. Puis aussi, j'aime pas le terme, mais mieux distribuer l'immigration aussi. Parce qu'on a la chance dans le territoire ici d'avoir Porte ouverte sur un lac qui est quand même reconnu à travers le Québec comme organisme. Oui. L'organisme est quand même invité à plusieurs tables provinciales comme l'Union des municipalités du Québec et autres pour parler de leur méthode de travail. Mais ça empêche quand même, étant donné le territoire, d'offrir des services à Saguenay ou au Fjord. Puis c'est pas exactement les mêmes services qui sont offerts, qui font faire. Donc, ouais. Il y a des gens qui peuvent, par exemple, avoir des diplômes géniaux, comme par exemple, j'ai travaillé dernièrement avec une personne qui a une maîtrise en marketing, mais son français est pas génial. Mais une maîtrise en marketing, c'est pas lui qui va parler aux clients. Non, c'est ça. C'est lui qui va préparer l'aspect communication et autres. Mais c'est pas ici que je vais trouver, ça va être à Saguenay que je vais trouver des postes qui vont être intéressants. Mm-hmm. Donc, on peut être capable, en se parlant, de voir... De partager nos compétences, de partager nos candidats parce qu'il n'y a pas juste dire « Ah, j'attire des gens sur mon territoire », c'est comment les garder, c'est en leur donnant la qualité de vie qu'ils veulent, qu'ils ont besoin. Ouais. Et en partageant ces ressources-là, on est capable de mieux réussir l'immigration puis l'acceptation ou l'arrivée dans un nouveau milieu. Bien, arrêtez de tirer la couverture chacun de son bord. Ben oui. C'est pas parce que dans ces domaines-là, au niveau des financements, c'est pas la qualité de l'immigration ou de l'insertion, c'est le nombre d'intégration puis d'insertion. Okay, ouais. Donc, en faisant une table de concertation, au lieu de voir nos chiffres de manière locale, on va voir nos chiffres de manière régionale. Puis on a la chance aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec Saguenay, Ubisoft, avec l'UQAC ou l'hôpital, on a quand même des grosses institutions qui sont reconnues, qui permettent d'attirer... On a une région qui permet d'attirer des immigrants de tout domaine d'études, mais il faut s'assurer de leur donner l'emploi à la hauteur de leurs compétences qu'ils ont le droit d'utiliser. Donc, c'est une bonne nouvelle d'avoir cette table de concertation-là, que ce soit pour la relation entre les organismes d'immigration, mais aussi pour la force de frappe auprès d'Immigration Canada. Ah, génial tout ça, génial! Grève des garderies en milieu familial, ça dure depuis longtemps. Je pense que, moi, je suis d'accord avec leurs revendications. Ils travaillent fort et puis ils sont vraiment pas tellement payés pour le travail qu'ils font. J'ai été touchée personnellement. Okay. Parce que ma fille est en garderie de milieu familial. Déjà, dans les saisons précédentes, toi et moi, on s'en est parlé, ça a été tout qu'un aria de me trouver une garderie dans la région. Mm-hmm. Là, ils menacent une grève générale illimitée au 21. Mm-hmm. C'est la semaine prochaine? C'est le lendemain de notre diffusion. Mm-hmm. On l'a vu pendant la période COVID à quel point c'est des anges de s'occuper de nos enfants. Parce que c'est quelque chose... Il y en a beaucoup là, qui ont eu leurs enfants à la maison qui ont réalisé que l'école et la garderie, c'est un service qui est essentiel puis oui. Qui font une job extraordinaire puis qu'on ne ferait pas nous. Des fois, on avait de la misère à endurer nos enfants, nos deux enfants, deux, trois enfants à la maison. Imaginez eux qui passent leur grande journée avec six enfants... Qui ne sont pas les leurs. Qui ne sont pas les leurs, puis qui viennent de milieux différents, puis qui n'ont pas nécessairement le même âge. Les mêmes attentes, les mêmes besoins. Ah oui, écoute, donc, bravo à elles surtout, et à eux. À l'ensemble de ces intervenants-là, parce que c'est du travail d'intervention, d'enseignement, d'accompagnement dans la petite enfance. Là, c'est pas n'importe qui à qui on va confier nos trésors. Moi, j'ai aimé l'image de nos cœurs sur pattes. On a l'impression d'avoir le cœur à l'extérieur du corps quand on voit nos enfants. On ne va pas les confier à n'importe qui. Non, puis tu sais, il y a une réalité. Là, quand tu regardes, puis je veux pas dénigrer un autre corps de travail, là, mais les gens qui s'occupent des animaux, là, OK?
sont payés deux fois plus cher que les gens qui s'occupent de nos enfants. Je pense qu'on a un problème de valeur, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a encore pire que ça aussi. C'est que lorsqu'on n'a pas de garderie, qui reste à la maison? C'est bien plus souvent la femme. Donc, on vient discriminer une grosse partie de la population parce que c'est un service qui est essentiel pour la famille, mais puis combien de personnes peuvent être pas dans la rue, mais avoir des problèmes financiers parce que les deux parents ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils n'ont pas de gardienne? Non, puis c'est souvent la femme qui va porter le fardeau. On le voyait, là, l'Organisation internationale du travail a dévoilé des chiffres ce matin qui disaient que sur les 200 millions d'emplois qui risquent de se perdre dans les prochains mois, il y en a plus de 60 % qui vont toucher en majeure partie les femmes. Alors que je suis sûre qu'on est capable d'appliquer que tous les travailleurs essentiels, préposés aux bénéficiaires, infirmières et autres, c'est qui? Et voilà. C'est les femmes. Donc, on vient se tirer dans le pied au niveau politique. Mais sais-tu combien... Tu sais, la FIPEC, la Fédération des Eux, leur fédération, désolée Sylvie, je ne connais pas ta fédération, le nom par cœur, elle va rire parce qu'elle non plus. Mais ils ont calculé que c'était à peu près 12,43 $. 12,43 $. Là, présentement, ils font leur propre lavage parce que les enfants doivent être changés en rentrant à la garderie. Ils vont être changés, donc il y a des vêtements là. Les repas, ils couverts là-dedans. On ne paye pas un supplément pour les repas. Il faut qu'ils payent les repas là-dedans. Il faut qu'ils les fassent, les repas. Il faut qu'ils fassent les repas. Ils s'occupent à l'extérieur de ces heures-là. Ils font les activités parce qu'ils ne sont pas là assis à regarder la télé ou à jouer de manière autonome. Ils planifient leur journée. Ils planifient leur journée, du coloriage, il y a du papier, des crayons, du désinfectant. Puis ça commence avant que toi, tu commences à travailler, ils sont là parce qu'il faut que tu ailles le porter. Puis quand tu as fini de travailler, tu as le temps de prendre, ils sont encore là, puis ils ont travaillé plus que toi. Ils disent, les enfants font une sieste. Qu'est-ce qu'ils font pendant la sieste? Leur paperasse, parce qu'on signe des contrats. Ça pour qu'ils fassent du ménage, il faut que ça soit que tout soit prêt. Tu as parlé du lavage, la bouffe, la sécurité. Qu'il faut qu'ils fassent, ça, là. Ben oui. Puis, tu sais, il y a des enfants qui ont des besoins particuliers. Puis, c'est pas tous les enfants qui sont capables de faire une sieste. Puis là, il faut que tu les surveilles pendant ce temps-là. Mm-hmm. Ils n'ont pas de pause, là. Mm-hmm. Ils n'ont pas de pause dans une journée, là. Non, ça, c'est une grande injustice. Donc, ils sont essentiels à la bonne santé économique de nos communautés. Ils sont essentiels. Puis, donc, comme service essentiel, comme les proposer aux bénéficiaires, il faudrait les payer aussi peu. Parce qu'ils n'ont pas une formation supplémentaire? Non. Si on ne les avait pas, eux, on n'aurait pas tous les professionnels. Étant donné qu'on est en plus dans une rareté de main-d'œuvre, on se prive de combien de personnes, on se prive de combien de professionnels parce qu'ils doivent rester à la maison. Tu sais, moi, ça me déchire le cœur de laisser ma fille à la garderie. Je voudrais passer mes journées à la garderie, mais c'est tellement le fun. Quand j'arrive à la garderie, ma fille court, puis elle me raconte sa journée, puis elle arrive, puis elle me montre son beau dessin. Moi, je suis contente. J'aime. Tu as eu l'impression qu'elle est en sécurité, qu'on s'est occupé d'elle, puis qu'elle est heureuse, en fait, à la garderie. Oui, puis elle est heureuse de me voir, mais elle est heureuse d'aller à la garderie, de voir ses amis, parce que même en période COVID, dans les écoles secondaires, il y a ce qu'on appelle les classes silo. Bien, ta garderie, c'est très rare qu'il change de monde. Donc, tu sais que ça va être toujours les mêmes enfants, tu sais que ça va être les mêmes familles. Donc, il y a plein de choses qui font que je trouve qu'ils ne sont pas payés assez, que leurs revendications sont légitimes. Puis les gens qui se plaignent de leur grève, savez-vous depuis combien de temps ils se battent? Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Là. Ça n'a pas commencé hier. Là. Non, ça n'a pas commencé hier. Ça n'a pas commencé pendant le COVID. Ils se sont dit, « Hey, on va en profiter, on va demander de l'argent à un gouvernement qui a déjà des problèmes d'argent. » Non. Ça fait des années qu'ils se battent pour être reconnus puis avoir un salaire décent. C'est pas 12,43 par enfant. C'est 12,43 $. Mm-hmm. Ça, c'est quelqu'un qui a... Tu sais, c'est quelqu'un qui a... Qu'il y a 6 enfants, des fois 8, puis ça, quand il y en a 8, c'est parce qu'ils sont 2. Parce qu'ils ont une assistante en plus. Parce que c'est des gestionnaires d'une petite entreprise, là. Donc, tu sais, ça. Moi, je vous encourage, les filles et les gars, je vous lève mon chapeau parce que moi, j'ai eu ma fille pendant le confinement, puis. Ouf! Je l'adore, ma fille, mais
terrible touche, il y avait hâte. Je suis sûre que je ne suis pas la seule des parents, et je vais le dire pour enlever le tabou, qui a popé le champagne, je dis en une expression, lorsqu'on a pu les apporter à la garderie pour la première fois. Ça fait du bien. Je peux être une adulte. Ah non, c'est tout. Puis, tu sais, des fois, quand on compare, là, si vous trouvez que c'est trop cher à payer pour les garderies, mais on vous en nomme des métiers où c'est trop cher à payer pour ce qu'ils font, là, il y en a beaucoup. Mais là, on s'occupe de nos enfants. On s'occupe de nos cœurs à l'extérieur de nos corps. On s'occupe de notre avenir. On s'occupe indirectement de notre santé économique aussi. Parce que on permet aux hommes et aux femmes, aux couples, d'avoir les deux parents qui travaillent. Ben oui, c'est avec une tranquillité d'esprit, c'est bon. Tu sais, dans un cadre d'une rareté de main-d'œuvre, ben encourageons ces services-là qui vont faire que. Parce que c'est même un argument de vente, hein? Sais-tu, dans certains employeurs, de dire si tu viens travailler avec nous, tu as une place en garderie. Ben oui. Je vous dis améliorer les conditions de travail, là, ça coûte pas cher de dire moi, je vais engager, la garderie va être juste pour les employés. Ça coûte pas mal moins cher, tu dis une garderie privée. Et voilà, c'est réglé. Mais puis t'as un argument extraordinaire qui te coûte moins cher que d'avoir. Génial. On va parler de la rentrée. C'est la rentrée dans les écoles. Mm-hmm. Tu veux parler d'une rentrée particulière pour le cégep de Saint-Félicien, mais travaillant au cégep de Jonquière, je peux te dire que c'est particulier pas mal partout. C'est pas évident. Il y a une particularité à le cégep de Saint-Félicien que plus que la moitié des étudiants viennent de l'international. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que le cégep est pas mal vide ces temps-ci. Absolument. Ma conjointe travaille là, puis elle n'a pas mis les pieds, elle fait que travailler en ligne. C'est ça. Puis, si on n'avait pas les étudiants internationaux au cégep de Saint-Félicien, il y a beaucoup de programmes qui ne seraient pas disponibles. Puis, on parle même de programmes qui sont exclusifs, comme milieu naturel, qui ne pourraient pas avoir lieu. Je pense que sans les internationaux, je ne suis pas certain que la survie du cégep de Saint-Félicien sera assurée. Là. Non, pas certain. C'est sûr. C'est sûr qu'à moyen et à long terme, le cégep ne survivrait pas, alors que c'est le seul cégep au nord du lac Saint-Jean qui répond à des besoins au nord du lac Saint-Jean. L'autre plus proche, c'est le Collège d'Allemagne. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment très particulier de voir ça, le cégep. Mais il y a aussi une autre particularité que tous les cégeps à travers le Québec vivent, c'est que oui, il y a des cours en ligne. Mais 15 minutes après, tu as un cours dans ton bureau. Tu as un cours directement au cégep. Puis 15 minutes après, tu as un autre cours en ligne. Donc, j'ai aimé la lettre ouverte d'une étudiante du Collège d'Alma au mois d'août qui a écrit « On se retrouve 15 dans une pièce à côté du prof qui donne le cours. Ouais. » C'est exactement comme si on avait fait le cours directement, mais on est en avant de nos ordinateurs à cause des horaires. Donc, je me demande comment ça va ressembler la session d'hiver. Moi, avant de lancer des pierres à l'organisation scolaire, parce que pour y avoir... Écoute, quel bordel ils ont dû avoir à régler. Ils n'ont pas eu de vacances de l'été. Je lance pas de pierres. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce cas-là, dans le sens des fois, on ne peut pas tout voir tout le temps, mais ils ont travaillé vraiment fort. En tout cas, nous, pour qu'on soit en présentiel, moi, je remercie, pas le Seigneur, parce que je n'y crois pas, mais je remercie l'univers. Pour ça, parce que je suis un enseignant, pour moi, c'est une vocation, puis être en classe, ça fait toute la différence. Et là, 80% des cours que je donne sont en classe. Je peux vous dire que le cours que je donne en ligne, je fais de mon mieux, mais mon Dieu que c'est difficile. Bien, tu sais, moi, je dis, c'est surprenant, mais j'ai hâte de voir comment ça va être à l'hiver. Parce que c'est quand même la première session COVID. Mm-hmm. Donc, c'est comme la session où il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de choses où on voit ça accroche. Donc, j'ai hâte de voir à l'hiver comment ça va se faire parce que c'est peut-être pas méchant. Ça fait des années que plusieurs profs le disent de faire des par Internet, ça pourrait augmenter l'attractivité. Parce qu'il y a des cours que, si c'est bien fait par Internet, je dis, il y a des cours, j'ai pas dit que tout. Moi, je vais mettre un bémol après. Bien, il y a des cours, il y a certains qui pourraient permettre à des gens qui sont soit à mobilité réduite ou qui pourraient participer. Je parle pas que, tu sais, présentement, là, c'est soit un cours en ligne, soit un cours en présentiel. Bien, ça serait pas une opportunité d'avoir la moitié du groupe en présentiel pendant que l'autre moitié est en ligne? En fait, ça se fait déjà, là. La formule hybride existe, là. On le fait amplement, là. Mais
On n'entend pas parler de cette formule-là. Puis je pense que c'est. Moi, je le faisais à l'université. Oui, mais là, c'est là mon bémol. Je veux dire, oui, les cours en ligne, je veux dire, TELUC le fait depuis longtemps. C'est une ressource qui est intéressante et il faut peut-être explorer ça pour la connaissance que tu vas chercher. Les jeunes qui arrivent au cégep, là, ils viennent, ils sont pas comme à l'université, ils ne viennent pas nécessairement que chercher de la connaissance. On leur apprend des fondements de la sociologie, donc de vivre en société, d'apprendre, de devenir des adultes, de leur donner des outils humains. Et ça passe par un contact humain. Moi, je vois que je fais la différence chez les jeunes, pas chez tous les jeunes, mais ça, ce rapport humain-là, c'est lui qui est important, surtout à cet âge-là où ils sont en grande recherche d'exemples. Exactement. Et puis, on leur demande de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais écoute, ils n'ont pas le droit d'avoir d'acheter du pot et d'acheter de l'alcool et des cigarettes, mais il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent dans la vie. Hey, écoute, c'est compliqué cet âge-là. Et être en classe avec des profs qui ont une expérience, qui ont une expertise, qui ont un rapport humain, c'est essentiel. Et en ligne, on a ça zéro. Puis moi, je pense que c'est essentiel. Mais on a une réalité qui s'en vient. On a une réalité qui s'en vient, qui est le marché du travail qui va se transformer aussi. Donc oui, on a bien beau être en présentiel, oui, on a la relation humaine, mais qu'est-ce qui dit que quand ils vont arriver sur le marché du travail, ils vont avoir encore la relation humaine? Moi, je te parle pas de marché du travail. Le cégep est là pour donner des outils, pour former des citoyens, des personnes qui vont avoir des acquis pour vivre en société. On leur parle pas de travail, là. Quand on enseigne au régulier, tu leur parles pas de travail. C'est un savoir-être. Oui, il y a des connaissances qui sont acquises. Mais c'est le savoir-être qu'ils vont développer. Et ça, ils sont à l'âge où ils n'ont besoin. Quand ils vont être rendus au marché du travail, leur besoin va être complètement autre. C'est que là, c'est surtout qu'on est dans une période très particulière. Puis je pense qu'en développant les outils virtuels, bien, ça va peut-être permettre plus l'emphase. Mais c'est quand même déchirant. Je ne suis pas prof. Tu me parles de cette expérience-là, tu me fais changer d'avis. Mais moi, je te le dis, là, si le cégep est pour passer à être en ligne tout le temps, moi, je vais me trouver un autre emploi. Non, il ne faut pas faire ça. Ça, je suis 100% d'accord. Ah. Il ne faut pas. Il y a quand même l'humain. Ça dénature complètement l'idée de l'enseigner. Tant qu'à faire, on va mettre les DEP sur YouTube. Non. Mais non, c'est ça. Mais c'est exactement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une diminution des coûts à long terme en développant ces outils-là? Par exemple, j'ai vu une prof au primaire qui a eu des changements en période COVID. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pour aider ses étudiants, parce que des fois, en Zoom, pour des étudiants primaires, là, c'est quelque chose. c'est quelque chose. Déjà au cégep, mais au primaire, où ils ont besoin de bouger, c'est encore pire. Bien, elle a décidé de créer des petites vidéos YouTube de maximum 5 minutes pour les aider dans leurs devoirs. Mais ça, là, c'est des mesures comme ça, là, toutes les profs en créent, toutes les profs en ont, puis c'est utile. C'est avant mais la COVID. Ça change rien au fait que quand tu es en classe avec des étudiants, il y a un contact, tu lis le non-verbal, tu sais qu'il n'a pas compris, t'en échappes moins à travers ton filet. Quand ils sont en ligne, là, puis que les autres sont chez eux, devant ils ferment la caméra, tu as fini, tu t'aperçois qu'ils ne se déconnectent pas avant une demi-heure, probablement qu'ils n'étaient même pas là. Pourquoi? Ils sont chez eux, ils font d'autres choses, etc. Je veux dire, là, ils sont captifs. En étant en classe, ils apprennent des choses, ils apprennent à vivre, puis ils apprennent à vivre dans une micro-société qui va ressembler à ce qu'ils vont vivre plus tard dans le monde réel. Là. Moi, je trouve ça essentiel, ce contact humain-là. Et ça nous prive de quelque chose. Et cette génération-là là, qui va peut-être vivre une éducation en ligne, là, moi, je suis certain qu'à long terme, c'est pas gagnant. C'est sûr que... parce qu'il y a tellement d'aspects dans le domaine de l'enseignement que, vu de l'extérieur, ça a l'air facile, tu donnes des compétences. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on est quand même dans une situation où l'économie, la situation sanitaire, où on est... Je pense que c'est une opportunité pour voir repenser l'enseignement. Et une des choses que ça a apporté, et je crois que tu vas être d'accord avec moi, c'est d'avoir des plus petits groupes. Oui, mais non, mais tu comprends pas. OK. C'est que oui, tu as des plus petits groupes, mais par exemple, moi, j'ai un groupe de 30 étudiants, j'ai un cours de 4 heures à donner. Normalement, je vais donner peut-être 2 heures et demie de théorie, puis le reste, l'heure et demie, ce sera un laboratoire. OK? Maintenant, c'est pas comme ça que ça part. Moi, je ne peux pas donner plus d'heures à ce groupe-là. Donc, ma période de 4 heures est séparée en 2 périodes de 2 heures, où j'ai 2 fois la moitié de mon groupe.
Donc, dans mon 2 heures, je dois faire la même chose que je faisais dans mon 4 heures, mais moi, je dois le faire 2 fois. Donc, moi, un groupe que j'ai 3 fois, je donne 6 fois la matière et j'ai plus de lab. Je vais les faire travailler chez eux. Donc, je ne suis pas là pour les superviser, pour les encadrer, pour les aiguiller, pour qu'ils comprennent bien et qu'ils fassent le travail comme il faut. Comprends-tu la complexité? Je comprends très bien, puis je me dis que ça va être tellement un super de bon sujet pour la prochaine fois qu'on va se rencontrer. En tout cas. Parce que, mais sérieusement... Tu parleras à des étudiants qui ont des cours en ligne, juste pour voir comment ils apprécient ça. À l'après l'émission, je veux que tu me donnes des noms. On va regarder ça. C'est un sujet qui est... Non, pour moi, là, moi ça me touche énormément. Puis je pense que c'est plus facile parce que, comme partout, il y a des bons et des mauvais profs, mais je pense que les professeurs pour qui c'est une vocation, ils veulent être en classe, puis ils veulent donner des cours parce que c'est leur métier, puis ce contact humain-là, ils sentent qu'ils font la différence. C'est certain qu'il y a des profs peut-être désabusés, ou je dirais pas des moins bons profs, parce que je suis qui pour juger ça, mais c'était plus facile de dire, achetez ce livre-là, lisez-le, puis je vais vous donner des films à écouter par chez vous. Bien, OK, oui, c'est une manière d'apprendre, mais il manque un aspect essentiel, puis c'est le rapport humain. Il y a peut-être des domaines qui sont plus adaptés à ça. Peut-être. Mais moi, je me dis, on aurait tellement de choses à discuter dans les futures éditions de l'émission. Là. Je me dis, on n'a même pas passé à la moitié de notre liste. En fait, on a à peu près 30 sujets et on est rendu au 5e. Je me dis, l'émission n'est pas assez longue pour qu'on puisse parler de tout ce qu'on voudrait parler. Pour parler de tout ce qu'on veut parler. On vous présente Impro en quatre coins. Impro en quatre coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Suivez-nous cet automne sur ma TV Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est cette année que nous célébrons le 50e anniversaire des télés communautaires. Avec les télés de Normandin, Ladoré, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, venez découvrir leur histoire à travers les témoignages de ceux qui ont contribué à son évolution. Produit par la télé du Haut-du-Lac et diffusé sous les ondes de MaTV, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Accès-MRC, c'est quoi? C'est une rencontre d'information animée par moi-même, Pierre Turcotte. On va parler des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Oui, il y aura maires, préfets, députés et aussi beaucoup d'intervenants du milieu pour nous parler de projets importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. On vient de revenir de la pause. C'est le temps de continuer. C'est incroyable. J'adore. À chaque fois, je m'ennuyais de ça, hein? Qu'on parle des sujets, puis qu'on apporte des points de vue différents, puis qu'on apporte... Je m'ennuyais de ça. C'est génial. C'est là pour ça. C'est tellement fun. Allez, un dernier sujet. La Sopfeu. Je sais que tu as travaillé avec eux. Puis en plus, c'est un sujet d'actualité parce qu'il y a des feux gigantesques et historiques en ce moment en Californie. Moi, par exemple, au cours de l'été, j'ai eu un changement de carrière. Ouais. Je suis maintenant l'agent de place aux jeunes pour la MRC Domaine du Roi. Mmh. Et je me suis aperçue dans le cadre de mon travail qu'on a quand même beaucoup de gens qui s'en viennent. Et je suis en train de concevoir un projet avec la Sopfeu parce qu'on a quand même la Sopfeu avec l'aéroport de Roberval. On est quand même la base pour le Québec. Et c'est beaucoup des pompiers DEP, des professionnels, des pilotes d'avion et autres. Et beaucoup de ces candidats-là de place aux jeunes, on décide de dire, tant qu'à passer mon été à Roberval, puis dans la période COVID, je me suis aperçue que mon emploi pour le reste de l'année, je peux le faire en télétravail. Mais il y en a beaucoup qui achètent des maisons à Roberval, qui viennent s'installer à Roberval. Puis c'est des pompiers avec des DEP, avec des bonnes connaissances, parce que la Sopfeu est quand même, on l'a vu avec cet été à la chute des passes, l'énorme incendie. Puis encore aujourd'hui, il y a une rotation avec les pompiers de la Sopfeu en Californie, qui est quand même à 5000 km, mais on a des impacts ici. Mais la Sopfeu, j'ai hâte de les rencontrer très prochainement, où on va regarder pour les aider à venir établir leurs pompiers ici de manière durable, afin qu'ils puissent répondre à la rareté de main-d'œuvre pour le reste de l'année, mais être quand même disponibles, parce qu'on a quand même une très grosse base de la Sopfeu au Québec. Ouais.
À Robertville, quand même, c'est toute l'est du Québec, là. C'est toute la Côte-Nord, puis même plus large que ça. Puis on envoie des agents de la SOFE l'hiver c'est passé. C'est chez nous, mais c'est tellement peu connu. Ben oui. Puis, tu sais, l'année passée, dans les feux en Australie, combien ont été? Ouais. Ils sont partis de Robertville, de la base de Robertville, pour s'en aller en Australie. Direct. On n'a pas connaissance de ça parce qu'on se dit, ah, ben regarde, la technique pompière, hein. C'est Montréal puis Québec. En gestion des incendies, c'est Montréal et Québec. Mais combien viennent s'établir dans Robertville, parce que ça peut être saisonnier ou autre, puis qui ont fait le DEP ou même la technique, qui viennent dans notre région, puis c'est une main-d'œuvre qui est là. Puis, tu sais, on a de la misère présentement à recruter des pompiers volontaires. Bien, le reste de l'année, les autres. Je te laisse encore une minute. T'avais-tu terminé? Ben oui, ben j'ai tu sais, on a plein de perles ici. Tu sais, moi, je suis dans la... Bien sûr, j'aide dans les ressources humaines pour la MRC Domaine du Roi. J'ai ma collègue Marion qui est pour Maria Chapdelaine. Puis on a tellement de belles organisations puis qui pourraient se parler, qui pourraient apporter différentes. Oui, on a une rareté. Tu sais, je suis bien contente que le terme pénurie de main-d'œuvre soit parti pour parler de rareté parce qu'on a beaucoup de talents, on a beaucoup de professionnels, on a beaucoup de joyaux d'attractivité sur nos territoires. Puis la période COVID est un gros avantage. Par exemple, je suis agente place aux jeunes depuis mai. J'ai un objectif de faire migrer, d'attirer 15 professionnels entre avril 2020 à mars 2021. J'en ai 15. Bien, je peux vous annoncer que la semaine dernière, j'ai atteint mon quota. Il me reste encore plus que 6 mois pour avoir encore plus de monde. Donc, vous avez des offres d'emploi, il y a des membres de votre famille qui veulent revenir en région, appelez-moi. Voilà. Ça fait partie de ça, mais ton on a numéro apparaît en ce moment. Vous me trouvez sur Facebook. Mais on a l'attractivité, on a la qualité de vie, on a tellement de choses qui vont être... qui peuvent nous aider à répondre à cette situation. Puis juste en sortir plus fort. Alors, oui, on parle COVID beaucoup, mais on peut-tu garder les bons côtés de ce trouble-là? Ben, absolument. Merci beaucoup, Joannie. C'est un plaisir de te retrouver, de discuter avec toi et de ne pas être d'accord avec toi. Ben oui! Pour la première fois, on n'aura pas nommé le nom de Donald Trump dans cette émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On est reparti pour une nouvelle saison de Qu'en pensez-vous? Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire. Et puis sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Ce sera le grand retour de Jules Simard. Ne manquez pas ça! Bonne semaine!